Chers élèves de l'Université Sorbonne Nouvelle, du département BET, Bureau des enseignements transversaux, nous allons reprendre la troisième leçon sur le thème de la communication homme-animal. Et donc, on va poursuivre un petit peu notre réflexion autour du langage humain et du langage non humain. Je vais peut-être rappeler quelques notions. À travers le diaporama central que je vais allumer. Alors, quelques éléments d'histoire de la linguistique et de la sémiotique. J'ai rappelé dans les deux premières leçons que finalement, la sémiotique, discipline sur laquelle je m'appuie, est une discipline qui permet de couvrir l'ensemble des langages. Et donc, notamment, le langage humain et le langage non humain. Ces dernières années, en fait, il y avait un contentieux autour de l'usage, justement, du concept de langage non humain. Pour quelles raisons? Plusieurs auteurs, notamment les structuralistes, l'école de Chomsky, deux écoles majeures, Benveniste, qui est un linguiste très important, disent que voilà, l'animal a la communication, mais pas le langage. Pourquoi? Parce que le langage, c'est le propre de l'homme, parce que l'homme mobilise la double articulation. C'est-à-dire que l'homme est capable de faire des syntaxes et donc de combiner des signes pour produire des mots et puis des phrases et des textes, etc. Il faut savoir que les traditions linguistes et ou la tradition linguistique de ces écoles s'appuie surtout sur l'analyse des textes. Donc, elle s'analyse beaucoup pendant très longtemps sur le textuel. Et donc, bien entendu, les animaux n'écrivent pas. Et donc, ce qui donne le fait que l'homme produise du texte donne le droit à l'homme de bénéficier du concept de langage. Et comme l'animal ne peut écrire, et ne peut utiliser une vocalisation articulée, l'animal n'a pas le droit à ce concept privilégié de langage. Je me suis aperçu des incohérences, et notamment en lisant La filiation de l'homme de Charles Darwin, en lisant également L'origine des espèces, j'ai constaté que Darwin disait que l'évolution des espèces ou l'évolution des langues et des langages obéissent à la même loi. Et ça, Darwin l'a dit avec beaucoup de force. Malheureusement, Darwin a peu étudié les langues et les langages. Ceci dit, il a laissé une œuvre très importante, L'expression des émotions chez l'homme et l'animal, œuvre majeure, qui introduit un concept fondamental utilisé par les propres structuralistes. C'est-à-dire que Darwin exprime le principe même de la linguistique structurale bien avant les linguistes. Il parle de l'idée du principe d'antithèse ou principe d'opposition, qui est le concept, disons, majeur du courant des structuralistes qui eux-mêmes sont contre l'idée même de langage non humain. Quel est ce concept? Alors, je vais rappeler un petit peu les idées fondamentales de la sémiotique, puisque Charles Darwin, mais avant lui Saint-Augustin, sont les maîtres de la sémiotique sans le dire ouvertement, puisque la sémiotique, c'est un terme qui va être utilisé à partir de Ferdinand de Saussure, père du structuralisme et de la linguistique structurale. Et donc, que nous dit la sémiotique? Elle nous dit que tous les langages, ce sont des systèmes de signes, et les signes existent par leur contraire, par leur opposé. Et ça, c'est quelque chose qui est la base de l'école structuraliste. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, par exemple, le mot « oui » n'existe que par le mot « non ». Le blanc par le noir. C'est ça le principe d'opposition. C'est-à-dire que le signe lui-même
ne signifie rien. La signification, elle se fait par le jeu des opposés, le sens étant le troisième élément. Et donc, alors ce qui est extraordinaire, c'est que cette école structuraliste mobilise pratiquement jamais l'expression des émotions chez l'homme et l'animal, œuvre majeure sur la zoosémiotique de Charles Darwin. Et donc, ça, c'est quelque chose qui m'a frappé et que j'ai essayé d'exploiter. Et c'est la faille du système linguistique contemporain, qu'il soit de Chomsky, qui est l'école américaine, ou du structuralisme, école francophone. Et donc, j'ai creusé cette question-là, j'ai mesuré la force du texte de la filiation de l'homme de Charles Darwin, qui dit qu'une seule et même loi oriente la diversification des langues et des langages et la diversification des espèces. Donc Darwin dit qu'il y a une espèce primordiale et qu'il existe aussi une langue et un langage primordial. Et donc à partir de là, je me suis posé la question sur que signifie le principe d'opposition appliqué à la relation homme-cheval. Que signifie le principe d'opposition lorsqu'on observe des animaux en espace naturel ou dans des espaces, où l'homme interagit avec l'animal. Alors, Charles Darwin, il dit, voilà, dans le cas du cheval, comment sait-on que le cheval est mécontent? Et parce qu'un cheval, quand il est mécontent, il baisse ses oreilles. Mais lorsqu'il est, entre guillemets, joyeux, il redresse ses oreilles. Donc ça veut dire que mécontentement et joie ne peut s'exprimer parce que nous avons deux expressions d'émotion opposées. Et c'est ce que nous révèle, en fait, Charles Darwin. Donc c'est à partir de l'examen de ce principe d'opposition dans la zoosémiotique de Charles Darwin que j'ai imaginé, en fait, une approche sémiotique de l'équitation. Et je convoque Jean-Marie Klinkenberg, qui est un éminent sémioticien, linguiste, spécialiste des langues romanes, avec qui je travaille depuis 2008, et qui affirme que mon observation est très pertinente, et lui-même me révèle qu'il n'avait jamais entendu parler du principe d'opposition dans l'expression des émotions chez l'homme et l'animal de Darwin. À partir de là, il m'a motivé, il m'a soutenu, et j'ai pu avancer sur cette tentative de proposition d'une approche sémiotique du rapport homme-animal, et notamment des processus de communication inter-espèces. Et j'ai commencé sur la relation homme-cheval. À partir de là, j'ai pu construire en fait un système sémiotique, une sémiotique de l'interespèce, et j'ai pu évoluer vers ce que j'appellerai plus tard un solfège de l'équitation. Donc revenons un petit peu à toute cette problématique, et donc rappelons quelques termes élémentaires avant de continuer. Donc, mes propos sur le langage humain et le langage non humain s'inscrivent dans une approche d'une sémiotique intra-espèce et interspécifique. C'est-à-dire que je choisis la sémiotique comme un champ de débat, de conversation et de dialogue autour de cette question du langage humain et non humain. À partir de là, la sémiotique, c'est la science du signe, la production de sens, c'est la production des communications, la production des codifications. La sémiotique doit être assez souple. En revanche, la sémiotique elle-même répond à des écoles de pensée. J'ai pu examiner, bien entendu, l'école structuraliste qui a produit elle-même son école de sémiotique et de linguistique. L'école de Chomsky a peu travaillé la notion de sémiotique. Elle s'est inscrite dans ce qu'on appelle la grammaire générative, une linguistique particulière qui s'appuie sur l'avancée de l'informatique. Et puis je me suis intéressé ces derniers temps à la sémiotique et à la linguistique de Charles Sanders Peirce, qui est un éminent linguiste de l'école pragmatique américaine et qui malheureusement a été mis à l'écart par les deux grandes écoles fondamentales au cours de ces 50 dernières années, le structuralisme et l'école de Chomsky. Peirce est beaucoup plus ouvert et il va développer en fait plutôt une approche ternaire qui me séduit et qui fonctionne dans le rapport homme-animal, une approche ternaire de la linguistique et de la sémiotique.
Rappelons quelques éléments de la sémiotique avant d'aller beaucoup plus loin. La sémiotique engage trois sous-disciplines, la syntaxe, la sémantique et la pragmatique. Qu'est-ce que c'est la syntaxe? La syntaxe, c'est l'art de combiner les signes. La sémantique, c'est quoi? C'est interpréter le sens et donc interpréter le sens qui est produit par la combinatoire syntaxique. Et la pragmatique, c'est le champ, c'est le contexte, en fait, de la communication, puisque d'autres paramètres, d'autres facteurs rentrent dans l'analyse, en fait, du facteur de communication intra ou inter-espèce. Voilà un petit peu les concepts de base. Tout mécanisme de communication, nous avons pris l'exemple de l'homme et du cheval, tout mécanisme de communication engage un émetteur, un récepteur, et donc ce sont les partenaires de la communication. L'un devient récepteur, l'autre destinataire, et on inverse les rôles. C'est ce qu'on appelle le dialogue de communication. Le référent, c'est ce à propos de quoi on dialogue. Le canal, ça peut être par exemple le support physique, du gestuel par exemple. Et puis, la sémiotique dit qu'en combinant des signes, et notamment deux signes minimum opposés, on produit du code. On produit un ensemble de programmes qui permettent de communiquer. Ces programmes codifiés, ces codes, sont en lien directement avec le processus cognitif. Et bien entendu, dans un dialogue, dans une communication, humaine ou non humaine, vocalisée ou pas, il y a un message qui est transmis avec des codes, et ces codes faisant référence à des signes, en respectant le principe d'opposition qui veut qu'un signe existe par son contraire. Le signe existe aussi par son analogue. Donc, principe d'opposition et principe d'analogie. Le principe d'opposition, d'après Charles Darwin, voilà ce qu'il nous dit. Beaucoup de signes d'ailleurs, qui sont évidemment opposés les uns aux autres, paraissent avoir eu chacun de leur côté leur signification propre. Darwin, l'expression des émotions chez l'homme et l'animal. Jean-Marie Klinkenberg nous dit « Une unité n'a de valeur descriptive que si elle s'oppose à une autre unité. » Je considère qu'il y a des signes innés, par exemple, qui sont liés à des mécanismes qui sont liés à l'inconscient, par exemple, ou à l'instinct chez l'animal. Et puis, nous considérons que la syntaxe, la sémantique et la pragmatique, qui sont ces trois principes qui orientent le langage, la syntaxe observe les règles qui organisent les relations entre les signes. La sémantique s'intéresse au sens des signes. La pragmatique observe le contexte de la communication. Alors, la dernière fois, j'avais fait référence à Philippe Descola, qui est un structuraliste que nous examinerons beaucoup plus tard, sur les aspects positifs et négatifs de sa vision anthropologique et du rapport homme-animal. Avant d'en arriver à une analyse critique, je suggère quatre ontologies que lui-même a conçues. C'est ce qu'on appelle des visions du monde, c'est-à-dire des visions du rapport homme-animal, du rapport homme-plante, c'est-à-dire du rapport humain-non-humain. Il considère qu'il y a quatre manières de voir le monde. Il y a l'animisme, qui considère que les intériorités, en quelque sorte l'éthologie, la psychologie humaine et non humaine, ont des ressemblances, des analogies. En revanche, du point de vue de la physicalité, c'est-à-dire du mécanisme physiologique, il y a des différences. Donc, dans l'animisme, vous avez la ressemblance des intériorités, la différence des physicalités. À l'inverse, le totémisme considère que humains et non humains ont des ressemblances tant sur le plan, disons, psychique, éthologique, et sur le plan physique. Le naturalisme, qui est, si vous voulez, la tradition occidentale, va considérer qu'il y a des différences du point de vue psychique, éthologique, entre l'homme et l'animal. Autrement dit, les mécanismes intérieurs sont différents. En revanche, il y a de la pertinence à comparer positivement, du point de vue des ressemblances, les physicalités. Et la preuve, c'est que la médecine occidentale utilise des modèles animaux pour travailler sur les pathologies humaines.
Et puis l'analogisme, qui est le monde asiatique, considère qu'il y a des différences tant sur le plan de l'intériorité que de l'extériorité. En fait, ce rapport intériorité-physicalité, en fait, moi je le traite sous une autre forme, à travers l'idée de mouvement visible et de mouvement invisible, le rapport entre le corps et l'esprit, le rapport entre la motricité, qui est du monde physique et visible, et le monde de la cognition, qui est en quelque sorte le mouvement invisible de l'esprit. Et donc, ma posture est une posture non pas d'anthropologue, mais une posture de linguiste et de sémioticien, qui, bien entendu, a l'expérience de l'interspécifique. C'est-à-dire que ma posture me permet d'engager, disons, des champs et des fronts de recherche, parce que j'ai précisément plus de 30 ans d'expérience de travail avec différentes espèces, notamment le cheval, mais aussi d'autres équidés, et puis aussi des expériences moins développées, mais quand même des expériences liées à l'observation des grands singes en laboratoire, au Primate Research Institute avec le professeur Tetsuro Matsuawa, et aussi des observations chez les oiseaux, et notamment le perroquet. Bien entendu, mon expérience est beaucoup plus, disons, avancée sur la question des équidés. Je reviens sur cette question de la manière de voir l'animal. Ce que j'ai pu observer à travers la lecture en fait de différentes œuvres littéraires, mais aussi à travers l'étude de l'ethnographie et de l'anthropologie, j'ai remarqué que l'homme a un double rapport à l'animal, ce qui engage en fait un double langage. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que l'animal, si vous voulez, peut être vu du point de vue réel et du point de vue imaginaire. Cela implique deux niveaux de langage. Ce que j'appelle le langage logique, le langage concret, le langage du monde physique, le langage du gestuel, puisque monter à cheval, c'est mobiliser des gestes et des postures. Et donc, lorsqu'on est dans un rapport avec un cheval, on est dans un rapport concret. Or, le cheval est aussi un mythe. Le cheval est aussi un symbole. Le cheval est une personnalité sacrée dans différentes traditions sacrées de l'Orient à l'Occident. Donc, l'animal cheval est à la fois réel et imaginaire. Si je l'observe du point de vue du réel, je vais étudier sa dimension cognitive, ce que j'ai fait pendant 5 ans au laboratoire du Plumet Research Institute à Kyoto. Je vais observer sa biomécanique qui obéit à des règles très précises de géométrie, mais aussi de cinétique, d'anatomie. Je vais m'intéresser à l'éthogramme du cheval, c'est-à-dire les comportements ritualisés, les instincts et l'intelligence du cheval. Je vais mobiliser ma posture, mes gestes, mon observation, mon visuel, mon tact, ma dimension haptique lorsque je touche le cheval. Et donc, ça, je suis dans un rapport au réel. Mais lorsque j'étudie le cheval, du point de vue de l'intériorité, le cheval représente pour le cavalier, et notamment si nous prenons l'histoire de la chevalerie, par exemple, occidentale, l'histoire des Templiers, l'histoire de la chevalerie de l'Ordre du Christ au Portugal, on va voir que le cheval, lorsqu'il est monté, a une autre dimension. Par exemple, dans la Bible, le Cantique des Cantiques, les Juifs disent que le cheval, c'est la représentation de l'âme. Et lorsque le pharaon conduit la jument avec le char pharaonique, c'est tout simplement l'allégorie de Dieu qui conduit l'âme humaine. Donc, alors vous avez par exemple le cheval blanc de l'Apocalypse de Saint Jean, cheval blanc qui est monté par le Christ chevalier. Et donc le Christ sur un cheval blanc, j'ai travaillé ce thème pendant plus de 20 ans, le cheval, le Christ et l'épée qui sort de la bouche du Christ représentent la Trinité. Pourquoi? Parce que la Trinité peut se représenter sous la forme du cavalier, du cheval,
Le cheval représente le corps, le cavalier représente l'esprit, et le troisième élément peut représenter le principe de l'âme. Donc, le cheval peut avoir une double approche, c'est-à-dire que ma vision du cheval, la vision, disons, anthropologique, la vision ontologique, implique deux dimensions de langage. Et ça, vous allez voir que c'est fondamental et quelque chose de très important à cerner. Les Templiers, la chevalerie de l'ordre du Christ, lorsqu'ils montaient les chevaux, lorsqu'ils ritualisaient des gestes, ils avaient toujours ces deux dimensions-là. Ça, j'ai pu l'étudier dans le traité des équitations du roi Don Duarte. J'ai pu l'observer au temple de Nikko lorsque j'ai pratiqué dans un stage assez court, le tir à l'arc à cheval de tradition yabusame. Le yabusame, par exemple, s'inscrit en fait dans une tradition du zen. Donc ça veut dire que le cheval a un double sens. Le cheval est à la fois réel et imaginaire. Le cheval est réel et mystique. Mystique, ça implique une dimension lumineuse, une dimension du sacré. C'est pour cette raison que, par exemple, les mouvements, disons, qui sont pour la défense des animaux, ont beaucoup de mal à comprendre le sens de la tauromachie équestre, en Espagne ou au Portugal. Il y a une différence entre la tauromachie équestre portugaise et espagnole. Dans l'une, il y a la mise à mort publique, dans l'autre, il n'y a pas de mise à mort publique. Ceci dit, les arènes, c'est un espace sacré. Ce n'est pas qu'un espace de jeu réel. C'est-à-dire que dans les arènes, et j'ai pu faire un ouvrage sur ce sujet avec plusieurs collègues dans les années 2008 qui s'appelle « Toré sans la mort », où justement on questionne à la fois l'anthropologie, la philosophie, mais aussi l'équinologie, l'anatomie, les sciences naturelles, pour s'interroger sur le rapport homme taureau et le rapport triangulaire homme-taureau-cheval qui m'intéresse particulièrement. Je me suis intéressé beaucoup aux chevaleries d'Orient et d'Occident. Aujourd'hui, en Europe, il ne reste plus que deux chevaleries dites authentiques, c'est-à-dire qui inscrivent le rapport à l'animal dans un contexte sacré. C'est le cas de l'Espagne, du Portugal, qui pratique la tauromachie équestre, qui est une sorte de mythologie qui se recrée. J'ai fait des écrits sur ce sujet, notamment sur la Festa Brava au Portugal au XVIIe, XVIIIe siècle. La Festa Brava, c'est, si vous voulez, la tauromachie dans toute sa dimension. Brava, pourquoi ? Parce que c'est l'idée du sauvage. Le taureau représente la dimension sauvage. Ceci dit, je me suis intéressé, bien entendu, par exemple, à la représentation du taureau dans les textes bouddhiques et notamment le zen et le taoïsme. Par exemple, il existe dans la peinture en fait chinoise et japonaise l'idée que le domptage du taureau, du cheval et de l'éléphant ne sont qu'en fait que des exercices sacrés qui permettent de comprendre à travers le rapport entre l'homme et le taureau l'idée du rapport entre l'esprit et l'âme. L'esprit étant la dimension rationnelle de l'homme, l'âme étant la dimension intuitive sacrée de l'homme. Et donc le domptage du taureau dans la tradition taoïste essaye de montrer que, en quelque sorte, dans l'homme, il y a deux forces contraires, une force instinctive que Carl Gustav Jung pourrait exprimer sous le nom de animus anima. Anima vient de animal, et anima dans la rhétorique de Carl Gustav Jung, grand psychiatre, collègue de Freud, renvoie à l'idée de l'inconscient. Donc le taureau représente en quelque sorte les forces de l'inconscient, et le cavalier représente les forces de la conscience, de la rationalisation. Et donc la lutte se fait entre la raison, entre le rationnel et l'irrationnel, entre animus et anima, si je prends la rhétorique et le discours de Carl Gustav Jung. Donc, il est très important de saisir que, du point de vue anthropologique,
l'homme dans son rapport à l'animal est toujours à l'interface du langage logique, celui de la science et des techniques, du monde concret et du geste, et puis il est dans le rapport avec l'animal, dans un rapport du monde du mythe, de l'imaginaire et des formes mystiques. Et ça, c'est très important. Il est très difficile de dissocier langage logique et langage analogique. Nous le faisons du point de vue scientifique. Mais bien entendu, l'homme commun, l'homme qui pratique la tauromachie, l'homme qui pratique le tir à l'arc, lorsqu'il est dans le rapport homme-cheval ou dans le rapport homme-cheval-taureau, ne fait pas de différenciation entre le logique et l'analogique, entre le réel et l'imaginaire. C'est un tout. Et chaque tradition, en fait, du sacré, de l'Orient à l'Occident, milite d'une certaine forme pour le dépassement de la dualité. La dualité, c'est la caractéristique, en fait, de la démarche rationnelle. C'est la démarche de la catégorisation. Bien entendu, dans un domaine anthropologique et dans un domaine ontologique, la dualité disparaît pour ne trouver que l'unité. Or, l'art équestre, c'est précisément la quête de l'unité, c'est la quête de la centaurisation. Je vais faire une parenthèse pour vous montrer un film, disons, à caractère ethnographique et anthropologique, que j'ai encadré avec un élève sur la pratique tauromachique au Portugal, où la mort est vue à plusieurs niveaux. La mort est vue du point de vue symbolique, la mort est vue du point de vue réel, la mort est vue du point de vue absolu. Et donc, je vous montre un extrait de tauromachie équestre portugaise. Je cherche très rapidement les films. Juste un petit moment. Voilà, ça va venir. Voilà, les films. Diaporama. Alors, je vais vous présenter ça juste un petit instant. Je saisis. Alors, hop. Voilà, et je les ai. Et je vais pouvoir vous présenter un extrait de tauromachie équestre au Portugal. Alors, on voit la première phase de la tauromachie équestre, c'est la phase dite des courtoisies. Les cavaliers montent des chevaux portugais de race lusitanienne, c'est un cheval ibérique au départ, et puis les studbooks de cette race seront créés dans les années 60. Là, vous avez António Ribeltelch, qui est un cavalier d'une très grande dynastie de cavaliers tauromachiques. Sans prise de position anti ou pro-corrida, je me positionne dans une approche en fait d'anthropologue et de linguiste et de sémioticien. Après la courtoisie, le taureau rentre dans l'arène et le cavalier doit mettre environ six banderies, des banderies longues et des banderies courtes, ce qu'on appelle des fers, fer rouge. Le costume, c'est un costume 18e siècle et cette corrida a lieu dans le temple de la tauromachie à Villafranca de Xira, à Villafranca de Chile, qui est à trentaine de kilomètres de Lisbonne. On y pratique la tauromachie à pied de tradition espagnole et la tauromachie en fait équestre d'essence portugaise.
Alors, notons que cavaleiro signifie chevalier en portugais. Et là, vous avez un appel du taureau et ce qu'on appelle un assaut de face. Donc, dans la tauromachie équestre, il y a plusieurs attitudes, postures du cavalier et du cheval face au taureau. Question, pourquoi le taureau est noir? Il arrive d'avoir des taureaux d'autres couleurs, mais le couleur noire est une couleur majeure. Et j'ai commencé à enquêter de manière très modeste à travers le culte du taureau Apis dans l'Égypte ancienne. La semaine dernière, j'étais au Portugal et j'ai relevé des indices extrêmement intéressants, notamment dans la plus vieille cathédrale portugaise à Braga, où on a des inscriptions romaines qui indiquent qu'il y avait le culte de Isis, une divinité égyptienne, parfois représentée à tête de taureau. À 50 km de Braga, à Pontlime, il y a une tradition, un culte appelé la vache à la corde, où en réalité c'est un taureau noir, et on dit qu'il existait un culte païen où il y avait une divinité à tête de vache. On pense bien entendu à Hathor de la tradition égyptienne. Je vous ai dit dans la dernière leçon que la première lettre A de tous les alphabets, Moyen-Orient et Europe, A renvoie à la symbolique du taureau. Et taureau, en fait, ça représente la divinité. Taureau est la divinité dans pratiquement toutes les grandes civilisations depuis la nuit des temps. On retrouve le taureau dans les grottes de Lascaux, Chauvet, mais on va les retrouver dans plusieurs civilisations de l'Inde. Et donc le taureau a ses dimensions sacralisées, divinisées. Certains collègues du Collège de France disent que les premiers temps du judaïsme indique que les Juifs mettaient un taureau dans un temple pour le culte du dieu unique. Ce sont des travaux menés par un collègue du Collège de France, un livre qui s'appelle « L'invention de Dieu ». Donc, plusieurs hypothèses montrent que la tauromachie équestre renvoie à des mythologies et que le cavalier tauromachique que vous voyez en scène, en train de faire des appels, mobilise deux dimensions du langage, le langage du mythe, le langage de la réalité. La corrida portugaise, c'est le jeu de la vie et de la mort, et donc il est très difficile de distinguer les deux dimensions. Des anti-corridas choisiraient uniquement la dimension scientifique, technique, pour dire et pour relever la souffrance du taureau, la souffrance du cheval, et aussi la souffrance du cavalier dans ce jeu peut-être considéré comme barbare et archaïque. Du point de vue d'anthropologie et du point de vue de la recherche en sémiotique linguistique, je suis obligé de prendre une distance et d'avoir une analyse globale qui implique non seulement langage logique et analogique, langage du geste et langage du mythe, mais aussi langage humain et langage non humain. Je suis aussi obligé de mobiliser aussi des critères d'éthologie, de psychologie, d'anatomie, de physiologie. Donc, ce qui fait que l'analyse de la tauromachie équestre, sans parler de la tauromachie à pied, exige énormément de postulats et exige aussi une cohérence. Donc, la prise de position politique devrait être, à mon avis, étayée à partir de ces quatre niveaux de langage, logique, analogique, humain et non humain. Donc, le cavalier tauromachique peut mobiliser jusqu'à 2-3 chevaux pour le combat d'un seul taureau. Et à l'issue, en fait, de ce combat, en fait, le cavalier tauromachique ramène son cheval donc aux écuries pour laisser la place à des hommes, un groupe de 8 hommes qu'on appelle les forcados, qui devront en fait affronter le taureau à main nue. Et là, ce qui est extraordinaire, je vais essayer de passer en fait le moment des forcados. Si j'arrive à voilà. Voilà,
Je vous le repasse. Voilà, c'est assez impressionnant. Un homme prend le taureau par les cornes, projeté en l'air, et un groupe de 8 hommes doit saisir le taureau. Effectivement, pour des anticorridas, c'est quelque chose d'inacceptable. Moi, personnellement, j'ai étudié depuis plus de 30 ans ces pratiques en tant que scientifique, et puis on sent aussi en tant qu'amateur d'éducation des chevaux portugais. J'ai essayé de comprendre du point de vue de la linguistique, de l'anthropologie, mais aussi de l'éthologie et de la psychologie. Et dans ma famille, mon grand-père, qui était aussi un forcados, donc ces hommes qui prennent les taureaux par les cornes, a été appelé en 1958 par la Warner Bros. Pour, si vous voulez, réaliser un film, un péplum intitulé La Terre des Pharaons. J'ai pu étudier si vous voulez, la scénographie de ce film culte des années 50. Et dans cette scène, les Forcados, qui sont en fait des cascadeurs, doivent doubler le pharaon qui doit prendre le taureau divinisé Apis par les cornes. La scène dure à peu près 5 minutes. Elle est disponible sur Internet. Je ne vais pas la visualiser, mais vous pouvez chercher La Terre des Pharaons, 1958, Warner Bros., avec un casting assez prestigieux, dont Joanne Collins, par exemple, qui est une actrice assez célèbre dans les années 50-60. Et donc, j'ai essayé d'étudier en fait ce mythe du taureau Apis et essayer de retracer en fait ces traces disons, de la mythologie pharaonique égyptienne au Portugal. Et effectivement, le culte du taureau qui se transforme au cours des siècles, intégrant des éléments, par exemple, du mythe de Mithra, ou des éléments, par exemple, celtiques, voire d'autres éléments, disons, si vous voulez, de l'Antiquité romaine, des jeux du cirque, par exemple. La tauromachie équestre est aussi très liée à l'Ancien et au Nouveau Testament, c'est-à-dire que pour comprendre le culte du taureau au Portugal, on est obligé, si vous voulez, de mobiliser plusieurs mythologies. Par exemple, les cavaliers tauromachiques ont des chapelles. Avant la tauromachie, ils pratiquent des prières de tradition chrétienne catholique. Il est très intéressant, par exemple, de remarquer, du point de vue mythologique, que le cavalier, le cheval et le taureau nous renvoient, par exemple, au mythe de Saint Georges, terrassant le dragon. Très souvent, j'ai pensé que, finalement, le taureau représentait cette force irrationnelle du dragon de la mythologie chrétienne de Saint Georges, qui en réalité est beaucoup plus ancienne que le christianisme. Donc, ça veut dire que la sémiotique peut voir plusieurs interprétations du rapport homme-cheval-taureau. Par exemple, si nous mobilisons, par exemple, la psychanalyse, la psychologie des profondeurs de Carl Gustav Jung, j'ai publié un article dans ce sens-là, nous pouvons voir le rapport corps, esprit et âme. Le taureau représentant la puissance de l'âme, de l'anima, c'est-à-dire la charge de l'inconscient, le cheval représentant le corps, et le cavalier représentant animus, c'est-à-dire la conscience et la rationalité. Donc ça veut dire que, par exemple, dans cette question du rapport homme-animal, je reprends en fait, je vais reprendre en fait le diaporama. Dans ce rapport, dans ce rapport homme-animal, on voit bien la difficulté d'analyser en fait des manières de parler aux animaux, prendre le taureau par les cornes ou affronter le taureau à cheval mobilise une communication interespèce, donc mobilise du langage humain et du langage non humain. Alors, dans le cas de la tauromachie, par exemple, dans les années 50 et les années 40, le taureau était soigné et pouvait être tauré plusieurs fois. Au Portugal, par exemple, les taureaux, après le combat, ne sont pas mis à mort, sont soignés et sont réutilisés comme reproducteurs dans les élevages taurins. Donc, cette difficulté
d'interpréter tous les rapports homme-animal dans différentes anthropologies, dans différentes ontologies, implique toujours une question du langage et, pour moi, implique toujours cette question du rapport langage logique, langage analogique. Autrement dit, le rapport de l'animal, si vous voulez, l'animal réel et l'animal imaginaire. Chose très intéressante que j'ai pu observer au cours de l'étude de l'histoire de la tauromachie au XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle, époque où il existait des tribunaux pour juger des animaux, hein, je renvoie à certains écrits faits notamment sur le tribunal pour animaux, paradoxalement, l'animal est un animal sujet. C'est-à-dire que le taureau et le cavalier sont dans un rapport de joute, de tournoi. C'est-à-dire, en quelque sorte, ce sont deux sujets qui s'affrontent, qui sont dans une lutte avec des codes d'honneur. Et donc, on octroie à l'animal, qu'on juge aussi dans les tribunaux, le statut d'animal sujet. Paradoxalement, dans les civilisations occidentales contemporaines, l'animal devient une machine à partir du XVIIIe siècle. Donc, il y a quelque chose de paradoxal, c'est-à-dire que on affronte les taureaux avec un code de loyauté inscrit dans les tournois et l'animal n'est pas exécuté dans tous les cas. Pourquoi ? Parce que si l'animal respecte les codes d'honneur, il y a en quelque sorte un respect de la loyauté du tournoi. Donc, c'est des choses que j'ai pu analyser de manière très modeste sur l'idée du changement du statut d'animal sujet à animal machine. Aujourd'hui, on souhaite quitter le statut d'animal machine du monde contemporain qui a produit en fait l'industrialisation de l'élevage et on veut revenir à l'animal sujet. Mais quelque part, il y a un paradoxe puisqu'au XVIe, XVIIe et au moment de la Révolution française, l'animal même affronté dans les arènes est déjà un animal sujet. Et si l'animal est convoqué au tribunal, c'est parce que justement, il y a une dimension morale dans ce qu'il a fait et parce que il y a un système anthropologique qui fait que s'il a une responsabilité face à un tribunal, cela implique forcément l'idée d'animal sujet. Donc, c'est des choses que j'ai pu étudier de manière, au fond, assez modeste, je le reconnais, dans un ouvrage collectif « Tauré sans la mort » avec ma collègue Jocelyne Porcher, qui a questionné cette question de l'animal sujet dans l'élevage industriel. Je referme la parole et je reviens un petit peu au principe de la communication inter-espèces. Je représente le diaporama, dans la communication inter-espèces, prenons le cas de ce rapport homme-cheval ou homme-taureau, mais on peut voir qu'il y a d'autres rapports, bien entendu, d'expérience avec l'animal et des rapports beaucoup plus pacifiques, comme l'éducation des chiens ou l'éducation des perroquets sur lesquels je travaille, ou la pratique de l'art avec des animaux, même si celle-ci aujourd'hui est critiquée et parfois à juste raison. Dans la communication interspécifique, il y a la dimension de la syntaxe, de la sémantique et de la pragmatique sur les deux niveaux, humain et animal. Et ça, c'est très important, et ça, c'est une innovation. Pourquoi ? Parce que la communication vue du point de vue de la sémiotique, cette approche implique d'octroyer aussi à l'animal la syntaxe, la sémantique et la pragmatique. Donc, donc, il faut que le rapport de sémiotique interspécifique humain-animal doit être équilibré. Donc, ça veut dire que les concepts de syntaxe, sémantique et pragmatique sont dualisés, humain et animal. Je poursuis ma démonstration. Si je retiens finalement un rapport de langage humain-non humain, je vais considérer, bien entendu, l'idée de l'animal réel et l'animal imaginaire. Et que l'on voit que dans, je dirais presque la majorité des rapports homme-animal, il y a toujours le rapport du réel et de l'imaginaire, toujours. Pourquoi ? Parce que l'homme fait toujours de l'anthropomorphisation. Et l'anthropomorphisation, c'est quoi ? C'est d'attribuer à l'animal
des attributs anthropologiques. Et donc, parfois, ça peut être intéressant d'utiliser l'anthropomorphisation. Certains éthologues encouragent même cette approche qui peut paraître un peu choquante du point de vue de l'éthologie rationaliste et parfois cognitiviste. Pourquoi? Mais parce qu'il est toujours difficile, en fait, de dissocier ce qui est réel et imaginaire dans l'esprit humain. Par ailleurs, lorsqu'on est dans une posture du rapport de communication homme-animal, nous sommes obligés de mobiliser ce qu'on appelle, chez les linguistes, le langage naturel, les langues naturelles et les langues construites. Qu'est-ce que c'est une langue naturelle ou un langage naturel? Les langues naturelles, ce sont les langues qui sont construites au fur et à mesure des siècles. Latin, grec, français, portugais, c'est ce qu'on appelle les langues naturelles. Les langues construites, c'est par exemple l'espéranto. Et moi, je suis le premier à postuler qu'il existe une langue interspécifique naturelle et une langue interspécifique construite. C'est-à-dire qu'en fait, je suis parti de l'hypothèse suivante, c'est que je suis dans un rapport de langue des signes interspécifique lorsque je communique avec mon cheval. Cheval qui est mon partenaire, par exemple, dans l'art équestre ou les arènes. Donc, la langue des signes humaine a été, si vous voulez, extrêmement critiquée dans les années 70. Aujourd'hui, plus personne remet en question l'idée de concept de langue des signes. Donc, je ne vois pas pourquoi on ne peut utiliser le concept même de langue des signes interspécifique et naturelle. Et bien entendu, langue des signes interspécifique construite. Pourquoi? Mais parce que si on regarde l'histoire des mythologies, si l'on regarde l'histoire, par exemple, philosophique et naturelle, et des sciences naturelles, qu'on regarde l'histoire des mythes, on va voir, par exemple, Saint François d'Assise ou Saint Antoine de Padoue faire des sermons aux animaux, l'un aux oiseaux, l'autre aux poissons. Et j'ai écrit dans un ouvrage, un collectif, L'animal dans le monde lusophone, réel et imaginaire. J'ai analysé le sermon de Saint Antoine aux poissons par le très célèbre jésuite Padre Antonio Vieira. La question c'est, est-ce qu'il parlait réellement, en fait, aux poissons? Eh bien, figurez-vous que oui. J'ai imaginé que ce jésuite très connu au Portugal, auteur d'une œuvre considérable, je l'ai imaginé tenir un discours, un sermon aux poissons. Et pourquoi pas? Et j'ai vu aussi que dans la teneur de ce sermon, on pouvait y voir le langage logique et le langage analogique. Pourquoi? Mais parce que le jésuite a analysé du point de vue, disons logique, du point de vue des sciences naturelles, avec précision les poissons qu'il observait. Et donc, je me suis même demandé si finalement les poissons ne lui tenaient pas un sermon. Et finalement, quand j'ai revu, par exemple, Saint François d'Assise réalisant son sermon aux oiseaux, très célèbre, il est tout à fait possible qu'il ait réellement fait un sermon aux oiseaux, mais avec un double discours, un discours logique et un discours analogique. Et pourquoi pas? Qu'est-ce qui nous empêche de penser cette possibilité? Donc ça veut dire que l'homme peut utiliser, et nous le savons, par exemple, quand on a des chats et des chiens à la maison, on s'adresse à eux comme parfois comme à des enfants. Il y a eu des chercheurs qui ont étudié cette dimension du langage infantile adressé à des chats et à des chiens, à des animaux domestiques. Et bien sûr, on s'adresse à eux avec une langue naturelle. Et finalement, on construit une langue interspécifique naturelle à partir de notre propre langue maternelle. Et ça existe. Et il y a eu des auteurs qui ont travaillé, par exemple, des border collies qui étaient capables d'identifier plus de 1000 mots. Et l'éducateur de ce chien était capable de lui tenir une rhétorique, au fond, assez simple, mais construite à partir d'une langue naturelle, en l'occurrence l'anglais. Alex le perroquet, par exemple, éduqué par Irène Pepperberg, elle lui tenait un discours en anglais. Alex le perroquet a été interviewé par des journalistes
sur des chaînes américaines. Donc ça veut dire que l'homme peut utiliser une langue naturelle, anglais, portugais, peu importe, pour rentrer en dialogue avec les animaux. Comprennent-ils, oui ou non? Mais il y a de fortes chances que, en très grande partie, ils appréhendent ces signes émis grâce à des procédés d'éducation. Et quel est le sens qu'ils donnent? Probablement des sens différents de celui qu'on donne, mais aussi des sens communs. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas y avoir de dialogue et de communication interspécifique entre l'homme et l'animal s'il n'y a pas ce qu'on appelle le code partagé. Et ça, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer dans mes théories sur la sémiotique de l'équitation. On ne peut pas construire une communication interspécifique sans un code partagé. Code partagé implique un sens partagé. Et ça, c'est très important. Concernant les langues interspécifiques construites, j'étais le premier à émettre cette hypothèse. Pourquoi? Mais parce que j'ai rencontré énormément d'éducateurs. Moi-même, je suis un éducateur de chevaux. J'ai éduqué aussi des ânes. Et lorsque nous dressons des chevaux, par exemple, terme peut-être qui est peut-être péjoratif, mais le dressage a une autre connotation dans le monde de l'équitation. Parlons d'éducation. Lorsque je construis l'éducation d'un cheval de haute école, ben je suis obligé de construire en quelque sorte un solfège de l'équitation. Et donc, je suis obligé de mobiliser des signes pour les combiner, produire une syntaxe, produire du sens. Et le cheval arrive à comprendre cette langue des signes construite spécifiquement pour la haute école, qui contient une dimension universelle, puisqu'elle est aussi utilisée par d'autres cavaliers, mais ça reste aussi une langue construite, puisqu'elle n'a pas non plus l'ancienneté d'une langue des signes, disons, naturelle, beaucoup plus ancienne. Donc ça veut dire que mes propos sur la sémiotique interspécifique me permettent certaines aisances, me permettent de remettre en question les a priori à l'égard du langage non humain. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que aujourd'hui, nous sommes dans un tournant scientifique, un tournant civilisationnel, où il est nécessaire de comprendre la filiation de l'homme de Charles Darwin, de comprendre effectivement qu'il existe une loi commune à l'évolution des espèces et à l'évolution, en fait, des langages et des langues. La linguistique structurale, la linguistique de Chomsky et d'autres formes de linguistique, disons, qui leur sont associées, ce sont des linguistiques qui, pour moi, ne sont pas des linguistiques darwiniennes. Donc, pour moi, je ne peux concevoir une linguistique uniquement ancrée dans une dynamique du principe de l'évolution des espèces. Et donc, en ça, je suis darwinien. Mais je suis aussi, disons, adepte de la pensée de saint Thomas d'Aquin, puisque saint Thomas d'Aquin a essayé d'associer Aristote, l'équivalent de Darwin, et la théologie biblique de l'Ancien et du Nouveau Testament. Et moi, je considère qu'il n'y a pas d'incompatibilité entre Darwin et la Bible. Teilhard de Chardin a défendu cette thèse. Je la défends du point de vue de la linguistique intra- et interespèce. Et mon collègue Éric Charmattan, qui est jésuite, philosophe de l'animal et théologien, fera une intervention pour nous montrer en fait les ponts entre la science de Darwin et la théologie de l'Ancien et du Nouveau Testament. Pourquoi il est possible de créer le lien entre la Bible et Darwin et qu'il y a une totale compatibilité sur cette idée d'une loi commune, ce que j'appelle la syntaxe archaïque. Pourquoi? Mais parce que la langue de la Bible, langue hébreu, mais aussi grecque ou latine, la langue de la Bible, c'est la langue qui s'inscrit dans le langage analogique. Le propre Jésus-Christ procédait par analogie, le ciel et la terre, comme dans la tradition du taoïsme ou la tradition du bouddhisme ou de l'islam. Donc, le langage analogique, c'est le propre des textes sacrés, c'est le propre des mythes. Mais Darwin, c'est le langage de la science et de la technique. Ma posture est la suivante. Si nous respectons la filiation de l'homme et de l'animal, et qu'il existe une espèce primordiale et une langue et un langage primordial,
nous considérons qu'il existe un mécanisme sémiotique, un mécanisme syntaxique qui est le même pour produire du langage analogique et du langage logique, pour produire du langage humain et du langage non humain. Donc la thèse que je soutiens implique un processus de grammaire universel, en quelque sorte générative, comme dit Chomsky, qui permet de créer le lien entre les quatre niveaux de langage, logique, analogique, humain et non humain. Et ça, c'est une posture unique. C'est une posture qui est tenable du point de vue de la théorie de l'évolution de Charles Darwin. Elle est tenable du point de vue des mythologies. Et de plus, elle est tenable dans l'étude réalisée ces dernières années en primatologie, en équinologie et dans d'autres domaines. Voilà ma posture que je vais développer au fur et à mesure. Revenant sur les différentes formes de langues interspécifiques, c'est ainsi que je les nomme, concernant la langue, disons, vocalisée de l'animal réel, la langue non vocalisée, j'ai étudié plusieurs cas de langage. Par exemple, les langues naturelles utilisées pour parler aux animaux, on va les retrouver chez nous, avec les chiens et les chats, mais on va les retrouver dans le dariolage, le briolage et le brelandage. Ce sont des termes utilisés dans le domaine de l'usage des animaux en agriculture, notamment, par exemple, lorsqu'on travaille avec des bœufs ou des ânes. On va, par exemple, faire des chants pour encourager les animaux. On va donner des ordres avec l'usage de la langue naturelle. Par exemple, au cirque, on utilise, par exemple, la langue germanique. Il existe des langues des signes, non vocalisées, par exemple. Alors, absolu, c'est très difficile, mais par exemple, en équitation, c'est une langue des signes à dominante non vocalisée. Par exemple, le dressage des Jeux Olympiques interdit l'usage de vocalisation. Et pourtant, je considère que c'est une langue des signes, certes, peut-être beaucoup plus archaïque que la langue des signes humaine, mais pour moi, ça reste une langue de signes. Pourquoi ? Mais parce qu'il y a la dimension de la syntaxe, de la sémantique et de la pragmatique. Et la posture de Jean-Marie Klinkenberg valide cette idée même. C'est pour ça qu'il a souhaité préfacer mon ouvrage « Parler autrement aux chevaux, approche sémiotique de l'équitation ». La langue interspécifique construite, c'est quoi ? Je l'ai observé par exemple aux eaux de Lisbonne dans l'éducation des dauphins. C'est-à-dire qu'on va utiliser un langage, une langue de signes entièrement construite qui est spécifique aux eaux de Lisbonne et qui est différente du zoo, par exemple, de Washington, du delphinarium de Washington. Donc, on va retrouver des langues de signes non vocalisées, par exemple, au cirque. Je l'observe, par exemple, dans l'éducation des perroquets avec ma collègue Hélène de Valambreuse, qui est une artiste de cirque qui a, si vous voulez, réalisé plusieurs performances au cirque avec des perroquets du Brésil, notamment, et des cacatoès des Moluques. Je travaille notamment avec elle sur le plan cognitif et la linguistique cognitive. Concernant l'animal imaginaire, on a les exemples des sermons adressés aux animaux, Saint François d'Assise et Saint Antoine de Padoue, et le padre Antonio Vieira, le jésuite très célèbre portugais, qui a écrit une histoire du futur du Portugal. Sans parler, en fait, d'autres formes, par exemple, qu'on va trouver dans l'Égypte ancienne. Donc, pour moi, ces propositions, qui ne sont pas encore, disons, construites scientifiquement de manière, je dirais, absolue, mais qui sont encore des ébauches et des hypothèses qui se développent, mais qui gardent une cohérence interne par rapport à la tradition de la sémiotique, et notamment la tradition de la sémiotique cognitive de Jean-Marc Klinkenberg, qui aussi partage beaucoup de points avec la linguistique de Charles Sanders Peirce. Je continue mon exposé et je souhaitais peut-être vous présenter un autre film pour terminer sur, par exemple, un spectacle que j'ai conçu au Cirque d'Amiens, qui est
l'étude, en fait, donc j'ai mis en scène en fait une légende, celle de Sévéra, la première chanteuse de fado. Le fado est le chant national, qui est à la fois un chant qui mobilise la mythologie portugaise et qui est à l'interface à la fois de l'espérance et de la raison. Donc, j'ai mis en scène ce spectacle au Cirque d'Amiens en 2016, avril 2016, et j'ai mobilisé des chevaux, j'ai mobilisé des poneys, j'ai mobilisé des perroquets, des artistes de différentes compétences, des professionnels et des étudiants de l'Institut d'études théâtrales de Sorbonne Nouvelle. Je vais choisir quelques passages, disons, très significatifs. Donc là, c'est un tableau très connu qui représente un cabaret, une scène du fado. Et donc, on va voir tout de suite la première scène du spectacle. Et donc, vous avez Sévéra, qui est cette légende du fado, qui est représentée à travers deux femmes, une jeune femme et une femme beaucoup plus âgée. C'est-à-dire montrer le rapport de l'histoire et de l'émotion. Et là, vous avez Hélène de Vallombreuse, en fait, avec un cacatoès des Moluques, qui a à peu près 3 ans à cette époque-là, et qui va être, si vous voulez, l'un des acteurs principaux de ce spectacle. Hélène de Vallombreuse, en fait, elle est à la fois aussi éducatrice de perroquets, mais spécialiste du trapèze, et notamment le trapèze avec. Le perroquet. Elle en a fait sa spécialité. Aujourd'hui, nous travaillons avec l'ensemble de ces pensionnaires sur les processus de communication interspécifique et notamment la dimension de langage et cognition. Donc, elle débute ce début de spectacle. Et là, vous avez des artistes de renommée internationale à la guitare et au violon qui vont accompagner les artistes humains et non humains. Nous avons mobilisé en fait des artistes humains et non humains, mais aussi des artistes professionnels et bien entendu des étudiants de l'université. Hélène se présente avec un autre animal, un très joli cheval pie, un cheval de trait, pour la voltige en cercle. Et donc, elle va devoir, en quelque sorte, communiquer avec deux espèces en simultané, du point de vue tactique, haptique avec le cheval, et puis de manière vocalisée et tactile avec le perroquet, tout en mobilisant le trapèze. Ce qui est une prouesse, en fait, une prouesse technique, et on voit que. Elle indique un ordre pour que le perroquet se place au centre de la piste avec son perroquet. Et puis, elle est enfin disponible pour exécuter des attitudes artistiques au galop sur ce magnifique cheval pie. Donc là, on voit une interaction où on a deux animaux, un perroquet, un cheval. Un homme et une femme, deux artistes. Ce sont deux grands artistes du cirque. Gilles Audjan, qui est l'écuyer qui fait travailler au galop, Hélène de Vallombreuse, circassienne, qui travaille des postures d'écuyère classique. Je vais essayer de vous montrer d'autres scènes avec des perroquets.
Alors là, c'était un de mes meilleurs chevaux de spectacle, puisque moi-même, j'ai pratiqué l'art équestre. J'ai travaillé donc aussi dans le cadre de plusieurs spectacles équestres au cours d'une vingtaine d'années. Et là, j'utilise, comme vous le voyez, les costumes de tauromachie équestre. Pourquoi? Mais parce que, en fait, la légende raconte que Sévéra, la première chanteuse de fado, tombe amoureuse d'un cavalier tauromachique. Donc là, c'est Sévéra jeune, en tenue tzigane, et votre serviteur qui monte un cheval lusitanien d'une dizaine d'années, dont le dressage n'était pas encore terminé. Et donc là, on va utiliser, en fait, dans cette scène, en fait, disons, un simulateur de taureau qui est utilisé réellement pour l'entraînement des chevaux de tauromachie, que j'ai utilisé moi-même pour la formation des élèves moniteurs d'équitation de tradition et de travail. J'ai eu l'occasion de former plus de 50 élèves qui ont fait carrière dans les grandes compagnies de spectacle, Disney, Bar-Tabas, Cadre Noir, École portugaise d'art équestre. Et donc, j'enseignais aussi la pratique de la tauromachie équestre avec ce simulateur pour que les élèves aient une histoire de l'équitation au Portugal. J'ai bien entendu aussi pratiquer la tauromachie équestre avec des taureaux dociles, hein, ce qu'on appelle les taureaux d'entraînement, qui ensuite, bien entendu, vont au pré et qui servent à des rapports amicaux et pacifiques avec le cheval. Et il y a une forme de jeu dans ces entraînements avec ce qu'on appelle des taureaux d'entraînement, qu'on appelle touro manso en portugais. Donc, sans position, disons, de pro ou anti-corrida, j'ai cherché en tant que scientifique, mais aussi amateur et écuyer, j'ai essayé de comprendre, en fait, par la propre pratique équestre et la pratique de communication avec différentes espèces, j'ai essayé de comprendre, en fait, ce mystère du langage humain et non humain. Comment peut-on comprendre et disserter sur le langage humain et non humain si on n'a pas une pratique réelle, en fait, de la communication homme-animal? Je considère que c'est une forme d'imposture d'oser tenir des propos sur la communication homme-animal sans connaître vraiment et sans avoir une expérience de la communication homme-animal. Donc, pour moi, c'est une posture scientifique. Et pour moi, les linguistes des deux écoles majeures ont dépassé les limites de la déontologie scientifique, c'est-à-dire ils ont pris des positions à partir de pseudo-articles scientifiques qui étaient plutôt anti-communication homme-animal. Donc, là, on va voir un travail beaucoup plus, disons, beaucoup plus développé. De l'écuyère à cheval avec un perroquet. Donc là, Hélène va jouer un rôle de passeuse de perroquet avec des très beaux perroquets du Brésil. Et la cavalière va recevoir les perroquets d'Hélène, hein, et il y en a trois avec Lily Plume, le cacatoès des Moluques. Et elle va devoir faire des acrobaties très très belles, des très belles acrobaties. Sur ce cheval pic que nous avons vu au début. Et donc là, il y a vraiment des prouesses techniques puisque l'écuyère qui monte ce cheval n'est pas spécialiste du perroquet. Donc on va voir la capacité d'adaptation des perroquets dans le cadre des langages interspécifiques. Alors, je vais le repasser parce qu'on n'a pas tout vu. Voilà. On voit un extrait où elle est en voltige. Donc voilà, donc Florence, qui est une écuyère de cirque, qui va travailler pour la première fois avec des perroquets. Bien sûr, elle s'est entraînée un petit peu avec Hélène de Vallombreuse. Alors, au cours de toutes ces années, donc c'est à peu près,
J'ai commencé mon expérience artistique en 1994 au Musée vivant du cheval de Chantilly et je me suis initié hein, par la petite porte aux arts de la piste. Hein, la première fois que je monte un cheval dans la piste, c'est au Musée vivant du cheval de Chantilly où je racontais déjà, c'était un présage, l'histoire équestre du Portugal. J'avais un rôle au fond assez modeste où je présentais à cheval un très beau cheval qui s'appelait Velasquez, qui ressemblait au cheval de Velasquez, très connu. J'essayais de raconter l'histoire du Portugal à cheval avec des artistes professionnels. Donc c'est en 98 que je rejoins l'équipe de ma directrice de recherche Anne-Marie Quin, qui me pousse à étudier le traité des équitations du roi Don Duarte. Et à partir de mon engagement en études doctorales, j'ai poursuivi cette double quête, la quête du langage logique et la quête du langage analogique, c'est-à-dire que et du langage humain et du langage non humain. C'est-à-dire que je ne pouvais pas concevoir de réaliser une thèse de doctorat sur l'histoire de l'équitation du 15e au 18e siècle, au Portugal en l'occurrence, sans pratiquer l'équitation et sans explorer toutes les pratiques équestres. J'ai eu la chance de pratiquer avec plus ou moins d'intensité plusieurs pratiques jusqu'à des stages, certes assez courts, de tir à l'arc à cheval du japonais. J'ai pratiqué l'élevage, l'attelage en paire et aussi en single. J'ai fait travailler mes élèves en voltige. J'ai pratiqué la basse et la haute école. J'ai travaillé sur les airs relevés. J'ai pratiqué la tauromachie équestre sans les taureaux en fait de combat, mais avec des taureaux d'entraînement. J'ai pratiqué différentes disciplines du cirque à cheval. Donc le but était toujours le même, essayer de percer le mystère du dialogue homme-cheval et plus tard le rapport du langage humain-non humain. Alors on va voir que Florence va commencer à travailler avec des perroquets. Et je peux vous dire que c'était pas évident. Là, par exemple, Lily Plume était attirée par le public. C'était la première fois qu'elle travaillait au cirque. Elle avait 3 ans à l'époque. Donc là, elle accepte de venir avec une écuyère qu'elle ne connaît pas vraiment bien. Elle a eu quelques séances d'entraînement avec Florence, et on voit comment l'animal finalement répond très bien aux codes gestuels de l'écuyère, codes qui ont été transmis par Hélène à Florence. Et donc, regardez la difficulté pour l'écuyère de mobiliser le cheval, d'exécuter des sauts périlleux à cheval, qui exigent quand même une haute technicité, et regardez la tranquillité de ce jeune perroquet, Cacatoès des Moluques, qui a 3 ans. 3 ans, elle a tout juste 3 ans, donc très peu d'entraînement. Donc, cette plasticité cognitive qui est remarquable. Et donc, il est évident que dans cette interaction, il y a des codes partagés. Et le mystère des codes partagés peut être révélé par l'étude des sémiotiques interspécifiques. Aujourd'hui, on refuse. Il y a des lois qui prévoient la fin des animaux au cirque. Je trouve ça personnellement regrettable. Il y a une part de responsabilité des hommes et des femmes de cirque, mais j'ai l'occasion de côtoyer ces hommes et ces femmes et j'ai vu chez eux beaucoup de générosité avec les animaux. Je côtoie Alexis Grus et il a fait un travail remarquable d'éducation avec les animaux, des éléphants, des taureaux, des chevaux. Il a été le premier à mettre des taureaux de combat et des chevaux au cirque avec des niveaux de prouesse éducative. Pour moi, le cirque doit être vu comme un laboratoire d'expérimentation. Je pense que c'est une erreur que nous allons payer très cher en supprimant l'animal au cirque. Pourquoi? Parce que si un accord est fait entre scientifiques et artistes, il est tout à fait possible de découvrir des choses fantastiques. Moi, j'ai pu faire mes travaux grâce aux hommes et aux femmes de cirque. J'ai vu beaucoup de générosité chez ces hommes et ces femmes de cirque, que je respecte énormément. Donc, je pense que notre société, qui est une société des extrêmes, doit trouver absolument le chemin du milieu que nous révèle notamment le Bouddha et que nous révèle aussi le Christ dans les évangiles. Les extrêmes sont toujours terribles pour une société.
Donc moi, j'ai eu une passion énorme à produire ce spectacle et j'ai appris énormément sur le langage humain et non humain. Ma posture est celle d'un scientifique qui n'émet pas de jugement. J'observe des faits et je reconnais qu'il y a du bon et du mauvais et que, comme disait le Christ, il est très difficile de séparer le bon grain de l'ivraie. Et je crois que les extrémistes, de gauche ou de droite, peu importe, ne comprennent pas cette subtilité du bon grain et de l'ivraie, du rapport entre le bon et le mauvais, et ne comprennent pas la voie du milieu. Et cette voie du milieu, c'est une voie universelle. Donc moi, j'applaudis tous ces artistes très courageux, et bien entendu, il y en a eu qui n'ont pas su respecter l'animal, et c'est regrettable. Mais qui respecte l'humain à 100% dans les entreprises? Faut être honnête. Donc, je pense que nous devons avoir un examen de conscience et de regarder avec beaucoup plus de sens scientifique et aussi de sentiments et de bon sens paysan aussi, hein, ça c'est le cavalier qui vous parle, et ne pas condamner de manière fortuite le rapport homme-animal dans les spectacles. Moi j'ai envie d'ajouter pour conclure ce travail sur le langage humain non humain, j'ai envie de dire que ma posture souhaite faire évoluer les mentalités. Et faire évoluer les mentalités, c'est d'apprendre à travers l'éducation, à travers l'université, que l'homme, il est à la fois un et multiple, que l'homme ne peut pas vivre sans les animaux. Qu'est-ce que signifie le rapport sauvage et domestique? Pour moi, ça ne signifie rien. Moi, je connais très bien les perroquets d'Hélène, qui sont des perroquets qui sont nés en captivité, qui sont des perroquets du Brésil, mais ils n'ont rien à voir avec le perroquet sauvage. Moi, j'observe des chevaux dits sauvages au nord du Portugal, et ces chevaux, pour moi, ils sont authentiquement sauvages. Donc, je pense que le concept même de sauvage et de domestique est à revoir. Pourquoi l'éléphant d'Asie est domestique et l'éléphant d'Afrique, il est sauvage? Ça reste un éléphant, là, ça reste la génétique d'un éléphant. Il y a quelques différences. Les uns ont des oreilles petites, les uns ont des grandes oreilles. Au cirque, on a éduqué des éléphants d'Afrique, aussi bien que des éléphants d'Asie. Donc aujourd'hui, je prône une remise en question des concepts qui sont archaïques. Je reconnais que les mouvements de défense des animaux ont, si vous voulez, leurs arguments, et certains sont solides. Moi-même, j'ai fait Toré sans la mort avec Jocelyne Porcher, et nous avons invité des mouvements anti-corrida. Et pendant 3 jours de discours, tout s'est très bien passé. Et on a pu construire un ouvrage majeur, unique, où pro et anti-corrida se sont exprimés. Dans mon livre L'animal dans le monde lusophone, j'avais des anti et pro animal. Je crois que notre société occidentale tourne à l'envers. Il est primordial de trouver le chemin du milieu. Et c'est ce chemin du milieu que j'essaye de trouver en montrant qu'il existe une syntaxe primordiale, une grammaire générative, qui est à la base de tous les niveaux de langage, des langages les plus archaïques aux langages les plus abstraits. Langage humain, non humain, logique et analogique. Je termine sur ces images. Je remercie mon université, Valérie Delavigne, qui m'a donné la possibilité de m'exprimer à travers plus de 3, 4 ans, presque 5 ans, sur les communications homme-animal. J'espère que ce cours vous permettra d'ouvrir d'autres horizons et je reste bien entendu ouvert au dialogue avec toute personne et avec les étudiants sur ces questions de l'humain et de non-humain. Personnellement, je reste un scientifique, adepte de la théorie de l'évolution de Darwin. Je reste sensible à saint Thomas d'Aquin, qui a toujours essayé le chemin du milieu, c'est-à-dire unifier les deux langages, celui du mythe et celui de la science. À très bientôt et merci à Carlos Pereira de l'Uso Journal qui nous aide à enregistrer ces très belles vidéos très techniques et très intéressantes du point de vue technologique. Merci à tous, merci aux étudiants.